Et rebonsoir à YouTube pour la map 2 de l'Ascension, event numéro 2. Donc l'event à Lille. Et là on a une map. Alors c'est plus une expérience qu'une map. Mais je crois qu'il a officialisé le truc, il lui a donné un nom et tout. Expérience. Ouais, parce qu'il a commencé le mapping. Alors j'ai vu le mapping pour le coup. Et il a commencé le mapping en disant « Ah, c'est pas une map, c'est une expérience. » Coucou YouTube, pense à t'abonner. Mais c'est devenu une map. Je pense qu'officiellement, c'est une map. Mais ouais, c'est un banger, hein, par contre. De ce que j'ai vu en mapping, ça a vraiment l'air pas mal. Du ZRT, quoi. Aussi simple que ça. Ça va, niveau FPS c'est ok, en tout cas pour ma part. Et là on a un backflip. Alors le truc c'est que je sais pas à quel point ce backflip est régu. Et là le finish, ok. Bon bah une bonne map pour moi je pense. Après on verra peut-être le random du start qui peut être un petit peu dérangeant mais... Ouais, il y avait quelques strats que je voulais tester sur les puddings. On verra, il y a notamment un cut ici que j'aimerais check. Genre sortie à gauche, GS, machin. Mais ça, je vais plutôt aller en éditeur pour tester ça, je pense. Là, on va tester vite fait. C'est du plastique. Ah oui, voilà. Les pieds, c'est du plastique, si jamais. Mais ouais, du coup, il peut se passer tellement de choses... là-dessus... Après, lentement, ça a l'air... Ça a l'air plus ou moins régulier. Bon, on va voir. Du coup, la map est sortie depuis... ça fait quoi, 30 minutes ? Parce que j'ai joué la map numéro 1 en premier. Du coup, on va voir. Elle va demander un peu plus de temps pour se rapprocher des temps... en haut à gauche. Enfin, les temps, là. Vas-y, j'essaye. J'essaye lentement. Parce que je me dis, lentement, tu peux plus facilement choper de la speed. Bon, après... Ah, attendez, j'aurais fait quel temps avec ça? J'aurais fait 48.0. Alors, ça peut soit se jouer au start, soit il peut y avoir des strats, justement, sur les puddings. Je suis assez curieux. Ou les zeppelins, ou vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je voulais essayer. Ah, ça me paraît compliqué. En fait, imaginez, je prends le CP, hein, mais... J'aurais bien imaginé un GS là-bas. Mais il faut arriver avec de la speed ici, et ça, c'est compliqué. Genre GS, pour retomber là, pour repartir. Mais je crois que le seul moyen d'avoir de la speed, c'est de faire ça. Et là, le problème, c'est que j'ai pas l'angle. Ah, quoique. Ouais, y a moyen. Ah, en fait, on a l'angle. Ah, je pense que c'est plus rapide, ça. Large, alors large, je sais pas, mais... Et merci Bambi. Merci beaucoup pour les 300 bits. Ça faisait 44. Rah, je suis désolé, Zera, mais... Non, après, il savait qu'il y avait des cuts sur celle-là.
Mais par contre, pour Régusa, bon, ça se fait. Il faut des repères, mais... ça s'organise. Bonne soirée à Shadlos. Ah, je pense pas faire très tard vu que j'ai déjà stream toute la journée sur la chaîne BDS. On verra. Ouais, le truc c'est que j'ai pas de repère pour l'instant. Ah oui, alors je pense que là, c'est pas un cut round. Hein. Enfin, oui, mais... oui, en fait, oui, je pense. Je pense que t'as l'impression que c'est risqué, mais parce que je connais pas la map, en fait. C'est quoi sur la chaîne BDS on a fait... avec Wingo, on a fait tous les... tous les matchs RLCS. Ah ouais. Ouais, le problème c'est que là, je crois que c'est quasiment plus rapide. Plus genre c'est lent quoi. Parce qu'en plus il faut de la speed, sinon tu stack. Ouais, en fait c'est passé tout à l'heure, mais parce que j'avais la voiture qui se soulevait ici. Ah, des rediffs. Bah, les rediffs sont dispo sur... sur la chaîne Twitch Team BDS, mais je t'avoue que je vais pas en mettre sur ma chaîne perso, par exemple. Non, il y a zéro dommage, les gars, on est vice-champion. Qu'est-ce que tu me dis, dommage? Ah, dommage, vice-champion du monde. Ah, bref. Mettre sur leur YouTube? Non, non, non. Non, c'est... bah, c'était plus une watch party, c'était pas des casts officiels, donc juste on a vécu ça sur la chaîne la chaîne Twitch de BDS. Oh, vas-y. Ah, ça faisait 3 minutes qu'on en parlait, donc ceux qui voulaient pas se faire spoil... sorry. Bon, du coup, il y a mon cut potentiel à gauche. Mais apparemment, Zera va déplacer les montagnes. Vas-y, en attendant. Ah, oh, mais putain, ça glisse cette histoire. Ah, mais cette transi, je suis désolé, mais... c'est horrible, hein. Mais Quentin 43, bien sûr. Bah, dites-vous que tout le monde connaît tout le monde dans la scène.
Mais oui, Quentin 43, c'est un joueur... joueur Canyon à la base. Un des meilleurs joueurs français de Canyon. Mais depuis TM 2020, il s'est... Alors, il jouait déjà à Stadium, mais... Il s'est beaucoup focus sur Stadium. Et maintenant, c'est un bon slash très bon joueur. C'est pas rename le 43? Oui, mais il s'est rename. Il s'est rename. Il a gagné une BDS Cup. Alors là... Ouais, il a fini dans le top... dans le top... Il a eu du cash prize, ça c'est sûr, mais après, je sais pas. Ah, quitte à être derrière. Je pense qu'il parle encore du spoil des RLCS. Mais de rien. Tu vas aller tester le code.js en éditeur? Vu qu'il va le modif, non. En fait, ça sert à rien. Parce qu'actuellement, oui, j'ai montré que c'était plus rapide. Mais s'il a dit qu'il allait le modif, ça vaut vraiment pas la peine. Mais ce genre de map, par contre, je les aime bien en round, hein, mais les hunts, c'est horrible. Hein. Il l'a pas dit, si? Bah alors, c'était peut-être une info chat, mais j'ai eu un commentaire qui a dit il va déplacer les montagnes. Mais c'est vrai que je suis parti du principe que... Les gens parlaient pas sans savoir, mais... Il l'a dit, ok. Ça va, j'ai trust une bonne info. Par contre, ouais, cette transi-là... Il peut se passer des trucs bizarres. Non mais honnêtement, c'est mieux qu'il la modifie celle-là. It is. C'est pas un cut fun, c'est plus un cut qui ruine le time attack. Parce que dans tous les cas, on l'aurait pas fait en round. En tout cas, du peu que j'ai pu tester le truc, ça a pas l'air... Insane. Après, forcément, on aurait trouvé des strats et des repères. S'il décidait de laisser comme ça, mais... Ouais, tu peux Théo, Jérém. Comme d'hab. De toute façon, il n'y a pas de strat. Pour cette transi-là. Qu'est-ce qu'il a dit pour rire? Faut voir la voiture toute droite, ouais, ça marche. T'as un 98 qui dit ça? Vas-y, no judgment. Merci de Benmas.
merci beaucoup pour le resub. Je suis à 99 et j'ai complètement con. C'est pas ce que j'ai dit, mais... Mais ok, moi j'ai une take, c'est que backseat, parce que là, le message épinglé c'est pas de backseat. Sauf que je me rends de plus en plus compte que backseat c'est pas clair pour tout le monde. Genre le mot en lui-même. Du coup, je me demande s'il faudrait pas changer ça par pas d'aide ou un truc du genre pas de proposition, pas d'aide. Ouais, pas d'aide ni de spoil, un truc du genre, tu vois. Pour vraiment viser large. Même si oui, backseat ça devient. Ouais, conseil, c'est bien aussi. Ouais, pas de conseil, c'est. Pas d'aide slash conseil. Tu spammes de tous les synonymes possibles. J'avais une bonne diag sur le... Sur un try. Genre avec une certaine speed, j'ai l'impression qu'on peut bam bam bam. What do you think about the first map? Ça, je vais vérifier juste un truc parce que en ces périodes un peu chiantes. Ouais, ok, vraiment. Les gosses qui se font passer pour des EN, je comprends pas la vanne. Bon. Bah la première map est cool, c'est juste dommage qu'il ait modifié le reroute. Mais en fait sur Twitch on a l'historique des messages et du coup j'ai vu que tous tes autres messages sont en français. Tu lis plus facilement les messages en anglais. C'est peut-être une strat. Ah, mais juger sur le pseudo si quelqu'un est FR, t'es jamais sûr, tu vois. J'allais pas call out, alors que j'étais pas sûr. Mais oui, disons que c'est pas très mal. Mais Osef. Translate for English. Pas super mal. Oh putain. C'est même pas 44, ça. Avec une bonne transi, c'était presque 44. Bon, j'ai 30 minutes de retard, mais Quentin a déjà un temps correct. Je vais faire quoi? Ah, moi vraiment cette transi, je vous avoue que je suis pas très fan.
En fait, là, j'ai all-in en full speed, donc je savais plus ou moins que ça allait faire de la merde, mais j'aurais pu la safe. En fait, je pense que c'est une map qui va... Vraiment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais... Je préfère ces maps-là en round qu'en time attack. Genre, le time attack... Le WR, par exemple, ce sera... des strats giga lucky... Enfin, des strats... Un start giga lucky avec toutes les transis qui passent pixel. Et la fin, il perd quasiment pas de speed sur la transi, bam bam. Genre imaginons un WR en 42. Et des temps en round en 46. Et du coup, je préfère jouer en round. Ce genre de truc. Cette transi te casse les pieds. Ah, j'ai la ref. J'ai la ref, elle est pas mal. J'aspecte Quentin ? Non. Non, je mets un bon moment à regarder les WR. En fait, j'aime bien, de manière générale, trouver par moi-même les stratégies. Enfin, c'est comme ça que je kiffe le jeu, si tu veux. Et du coup, je regarde pas tout de suite les records. Ouais, c'est la deuxième map. En fait, pour éviter d'influencer mes trages, etc. Mais quand tu joues, tu regardes la voiture en elle-même ou devant ? Ah bah, le plus loin possible, je regarde. Regarde le plus loin possible, toujours. C'est un peu comme IRL. Bon, je suis pas au point à regarder le CP. C'est ce que je veux dire, mais... Aïe, au moutro. C'est Kylian. Y'aurait un moyen un jour un stream avec le truc qui capte, tu regardes? Bah j'avais checké pour m'en procurer un, mais c'était vraiment trop cher. Genre c'est quasiment 200 balles l'appareil Light Tracker, ça s'appelle. Ouais, je me dis que ça vaut pas trop la peine. Genre. C'est intéressant, mais pas si intéressant que ça. Ah, je sais moi-même pas trop. Je fais pas trop attention à où je regarde, mais. Oui, pour le car control. En fait, je l'ai dans ma vision périphérique, mais je regarde principalement les transis. Globalement, je regarde. Ici, en fait. Mais si je vois que ma voiture, en vision périphérique, elle penche vers la gauche, bah je vais counter en tournant, quoi. Non, il est trop dur ce cadre. Où est 2 ans? Attendez, je veux voir si je peux le proc plus tard. Genre un truc comme ça pour s'envoler un peu, mais... Oh, un peu chiant, un peu chiant. Merci Tocnon pour le 24e mois, merci beaucoup. Je suis contente de mon niveau d'anglais. Ouais, très bien. Mais le mieux pour entraîner ton anglais, je pense, c'est des lives en anglais.
C'est une idée. Live en anglais. Bah, j'ai déjà fait. J'ai fait un live full anglais. Je faisais même du cast en anglais à l'époque. Quand je castais Meda en TMGL. Mais non, je parle anglais quand il faut. Bon, on a fait le tour de cette map, je crois. Je vais la hunt un peu. Et YouTube, je te mets mon PB à la fin de la vidéo. On en profitera pour regarder la run de Quentin. Ou non, je pense... Je pense que je vais pas les faire patienter. Attendez, je vais refresh. Parce qu'il y a sûrement mieux depuis. 44.2. Allez, voyons voir. Ok. C'est pas très fast pour l'instant. Ok, bah la run a pas l'air... ah désolé, hein, mais la run a pas l'air incroyable. Bah écoutez, YouTube c'est la fin de cette découverte numéro... de la map numéro 2. Pense à t'abonner pour pas rater les prochaines découvertes. Et si j'améliore mon PB dans la soirée, ce qui va sûrement arriver, je te mets mon PB à la fin. Des bisous. Et on reprend YouTube. Parce qu'on vient de faire un 43.1. Je peux refresh une fois, mais on vient de le faire, donc normalement... Voilà, petit PB, petit WR et au lit. C'est simple que ça. Alors, je sais pourquoi tu poses la question, Mathéo. Et samedi après-midi, j'ai un anniversaire. Et dimanche, je stream à 14h. Donc, ouais, samedi soir, il y a moyen que je stream pas. Donc, oui, on pourra faire une soirée jeu à ce moment-là, si tu veux. On peut regarder un petit peu avec les autres temps. Se faire un petit top 5. T'es devenu WR, j'avais pas vu. Je suis devenu WR. Ah oui, j'ai jump. Alors, je l'ai tenté pour le fun, mais... J'ai jump par-dessus les trucs, là. Bon. Ça m'a pas fait gagner beaucoup de temps, mais... Et merci pour les GG de tout à l'heure. Il l'est devenu. Je suis devenu WA. Bon YouTube, pense à t'abonner, liker. On se retrouve très vite. Des bisous.